Élevé au rang de ministre des Relations avec les Parlements, le député national Justin Bitakwira a pris officiellement ses fonctions depuis le samedi 24 décembre 2016, date de la cérémonie des remises et reprises organisée avec son prédécesseur Tryphon Kiki-Mulumba, qui est alors l'actuel patron des Relations avec les Parlements. L'histoire nous renseigne que Bitakwira Biwona Aï Justin est né le 5 décembre 1960 à l'Emira, dans les villages des Katala, non loin des Moulengue, dans les territoires d'Ovira au Sud Kivu. Fils de M. Soumora Mugambire et de Mme Rita Kiabatima, le petit-fils de sa grand-mère s'est dit être un phénomène depuis le ventre de sa mère parce qu'il a eu à échapper à un avortement forcé. Il est père de famille et a scellé son union avec Madame Rita Faila Bitakwira. Justin Bitakwira a fait ses études primaires à Kibungu Moulengue, puis s'en va au petit séminaire de Mungombe et termine ses humanités en pédagogie générale. Self-made man, il a obtenu un diplôme de graduant en art dramatique, ensuite en développement communautaire, avant de décrocher sa licence en sciences politiques et administratives à l'université du CEPROMAD. Élu député national en 2006 sur la liste de PCBG, Justin Bitakwira est réélu en 2011 sur la liste de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, parti cher à Vital Kamerhe. Bitakwira Biwona Aï Justin a occupé tour à tour les postes de rapporteur de la Commission socioculturelle à l'Assemblée nationale, puis président du groupe parlementaire UNC Allié, poste qu'il a quitté par démission en 2014 dans l'objectif de créer son propre parti politique, Alliance pour la République et la Conscience nationale, Arsène Mwindasika. Panafricaniste engagé, Justin Bitakwira est un enseignant de carrière. Il a exercé cette profession d'abord en République démocratique du Congo, ensuite au Burundi, puis au Kenya et enfin au Cameroun. Il fut attaché administratif à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Cameroun et a été conseiller politique du vice-président Yerodian Dombasi, chargé de mission du gouverneur du Sud Kivu, Boulaïmo. Véritable patriote, il a étouffé dans l'œuf le mandat d'arrêt international lancé contre Yerodia en 1999 en envahissant l'ambassade de Belgique le 12 juillet 2000 avec plus de 60 000 manifestants. Il est pionnier du dialogue politique national inclusif parce que son nom figure parmi les courageuses personnalités de l'opposition politique reçues par le chef de l'État en date du 9 juin 2015, pendant que beaucoup des politiciens n'y croyaient pas. Il a pris part active aux travaux du comité préparatoire du dialogue, puis au dialogue proprement dit. Brillant député, connu par son franc-parler, ses proverbes et ses langages imagés constituent sans doute quelques caractéristiques qui ont retenu l'attention du chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, envers la personne de Bitakwira. Comme pour dire, sa nomination à la tête du ministère des Relations avec les Parlements n'est pas un fait du hasard, mais un choix basé sur le principe de la méritocratie. Mais que faut-il retenir de l'importance de ces ministères? Je dois remercier le président de la République qui m'a élevé à ce rang. Et je dois dire que, après 10 ans, à l'Assemblée nationale, je suis un député connu. Pour ne pas me qualifier moi-même le brillant, je crois que le président de la République, c'est la raison pour laquelle il m'a placé à ce ministère. Et d'emblée, je veux dire que je ne vais pas jouer au figurant. Je vais transformer ce ministère où moi-même, je suis comme le stratège du gouvernement, parce que je suis le pont entre l'institution gouvernement et l'institution parlement, et qui parle le parlement, il voit l'Assemblée nationale, il voit le Sénat, il voit les assemblées provinciales. Et moi, je crois que je vais jouer le rôle qu'il me faut, en approchant même d'autres parlements d'Afrique et du monde. Et plus particulièrement, je pense au Parlement européen et je pense au Congrès américain. Parce que nous avons une idée que le Parlement européen ou américain
ignorent que nous sommes vraiment sous forme d'un bébé en démocratie. Notre démocratie est âgée à peu près de 10 ans. Mon ministère doit d'ailleurs vulgariser les lois de la République démocratique du Congo. Nous votons les lois à l'Assemblée nationale. Moi, ça fait effectivement 10 ans. Ces lois, apparemment, nous les gardons dans nos tiroirs. Même notre peuple n'a pas accès à ces lois. Au fait, c'est quoi? Ces lois devraient être traduites en langue nationale, Chiluba, Kiswahili, Lingala et Kikongo, en principe. Mais également, je vais faire de mon ministère le ministère le plus fréquenté, et par les ministres eux-mêmes, et par les députés, et par les sénateurs, y compris les députés provinciaux. Ça va être donc un carrefour. C'est sûrement un carrefour parce que je suis l'interface. Et je vais aussi dire que c'est pour vendre l'image des relations du gouvernement et entre le gouvernement et le Parlement. Je crois que je ne décevrai pas, mais il faudra certainement que les moyens suivent. Et puis nous avons des rapports. Depuis les 10 ans que je suis à l'Assemblée nationale, moi je dois vous dire que les rapports des vacances parlementaires des députés, je crois que on ne les exploite pas. Et pourtant, ces différents rapports des vacances parlementaires, au fait, c'est ça la réalité de la République. J'ai de bons rapports, heureusement, pour moi, avec le président de l'Assemblée nationale, Minaku. J'ai de bons rapports avec Kengo Wadundu. Désormais, les rapports des vacances parlementaires feront une des priorités pour qu'effectivement on fasse une synthèse qu'il faut transmettre au président de la République, qu'il faut transmettre au Premier ministre et qu'il faut transmettre même aux différents ministères sensibles comme l'intérieur, pourquoi pas donner des copies aux différents gouverneurs. Ça sera aussi une de mes innovations. À l'approche des festivités marquant la fin de l'année 2016, le Ludovira en a profité pour présenter ce vœu de bonheur à tous ceux qui l'ont accompagné. Il y a les gens qui nous ont toujours accompagnés. Et je n'oublierai pas certainement vous-même de la presse qui m'avait découvert et vous avez tenté de vendre mon image au maximum. C'est la raison pour laquelle je suis connu dans l'opinion grâce à vous. Donc je leur souhaite meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An. Justin Bitakura a été 4 fois prisonnier politique sous Mobutu et 2 fois sous Mzé Laurent Désiré Kabila. Cet homme connu sous les sobriquets des petits-fils de sa grand-mère est un fruit de l'UDPS, parti qu'il a adhéré dans la clandestinité en 1983 et a joué un rôle prépondérant dans la Fédération de l'Union pour la démocratie et le progrès social Sud-Kivu vers les années 1990. Somme toute, Justin Bitakura est l'homme qu'il faut à la tête du ministère des Relations avec le Parlement.